Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes trois produits que j'utilise pour ma jument qui a des problèmes de yeux. Mes trois produits viennent de chez Protective Pet Solutions sur Internet. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un site en anglais, mais quand vous habitez au Canada, je vous dirais que les frais de shipping sont beaucoup plus avantageux que de les prendre en France. Fait que je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Fait qu'on va commencer par l'objet principal. Qui est les éviseurs, comme ça. Ça vient dans un petit sac comme ça. Ce sont des lunettes pour monter. Fait que les lunettes servent juste quand vous ridez un cheval. Vous ne pouvez pas les mettre au pré. C'est des lunettes vraiment faites pour monter. Fait que j'aime beaucoup le concept. Mon cheval les a acceptés du premier coup. J'ai pris la teinte orange vu qu'il faut vraiment que j'évite le plus de rayons. Il y a trois types de couleurs. Maintenant, il en existe plus. Mais il y a les transparentes, il y a les bleus, les oranges et les noirs que je sais plus précisément. Les noirs sont faits pour les chevaux qui font, on va dire, du head checking. Puis on a les oranges, après on a les bleus, puis les transparentes. Mais les quatre, même toutes ceux avec toutes les autres couleurs, sont 100% anti-UV. Fait que mon cheval qui fait des vitres, ben, je peux lui mettre pour monter. Puis ça la protège des rayons de soleil, de la poussière, du vent. Fait que j'y conseille vraiment. Ça tient super bien sur la tête des chevaux. Il y a plusieurs ajustements en haut pour la tête. Puis il y en a aussi pour en dessous. Je vais vous insérer quelques photos ici. Fait que voilà, ça c'est des lunettes. Ils coûtent quand même cher, mais ça vaut la peine. En termes d'investissement, moi je fais du Barry, je fais tout ce qui est Gymkhana. Puis ça bouge pas de la tête, là, je vous le dis. Voilà. La seule chose, si vous voulez les utiliser en compétition au Québec, je parle plus précisément, vous devez avoir un papier de votre vétérinaire qui dit que le cheval doit porter les lunettes à cause de ses conditions de yeux. Moi, mon vet m'en a signé un, mais sinon, vous ne pourriez pas les porter en compétition si vous voulez faire des compétitions. Voilà pour les lunettes. Ensuite, j'ai le masque ici qui est le Equivisor Australia. Qui est un masque avec 72% anti-UV. Il y a la place pour le toupette. Moi, j'ai pris celui avec les petites oreilles. Puis, comme ça, il y a un gros scratch ici. Puis, en plus, il y a une petite clip ici avec une corde pour l'attacher. Fait que pour vrai, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Ce que j'ai été surprise et vraiment contente, c'est qu'à l'intérieur ici, il est rembourré. C'est comme un petit styromousse, là. Pas styromousse, mais en tout cas, ça fait en sorte que le masque reste comme à sa place. Il ne va pas vraiment se refermer sur les yeux. Fait que lui, je vous le conseille comme masque à mouches pour les petites mouches l'été ou si votre cheval ne fait pas du vide pour le moment, je vous le conseille. Il tient vraiment bien. Il se lave bien aussi. Puis, c'est ça pour le masque avec les oreilles. Sinon, on en a un autre qui est le Solar. Lui, je vais vous mettre une photo ici. Je ne l'ai pas avec moi vu que mon cheval le porte présentement, vu qu'il a fait des uvites en ce moment même. Celui-là, il est vraiment plus comme un filet. Il touche vraiment pas les yeux. Il est vraiment bien fait. Mon cheval se roule avec. Peu importe ce qu'il fait, il ne bouge pas. Fait que je le conseille vraiment pour les chevaux qui font des uvites ou peu importe le problème de yeux que votre cheval a, il est 100% anti-UV, ce qui est très rare aujourd'hui dans les masques sur le marché. Là, j'en ai pas vu gros des 100% anti-UV, puis pour le prix, il est vraiment abordable, puis il tient vraiment bien. Moi, j'ai pris un taille full. Je sais qu'il faut vraiment bien mesurer, vu qu'il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec les grandeurs. Fait que je vous conseille de bien mesurer la taille de votre cheval avant de le commander. Puis sur le site, ils disent très très bien de bien regarder les grandeurs. Fait que voilà, c'était mes trois produits de Protective Pet Solution. Fait que j'espère que ça va pouvoir en avoir aidé quelques-uns qui, avant de commander, ils veulent voir les produits en vrai. Fait que voilà, puis je vous souhaite une bonne journée!